Hello, il est dimanche matin. Je vais partir dans quelques minutes pour rejoindre une amie et aller dans cet endroit que j'ai envie de vous montrer. C'est dur de se lever tôt, mais c'est pour la bonne cause. Bon, en commençant ce vlog, je me suis dit que j'allais faire un truc très slow life, très esthétique. Mais ma vie m'a rattrapée. Puisqu'en sortant de chez moi, je me suis rendu compte que ma voiture était couverte d'un givre bien épais, qu'il faisait moins 6. Donc, j'ai passé un quart d'heure à la gratter pour avoir des petits carrés et d'où je pouvais voir quelque chose. Et évidemment, j'ai été en retard. J'ai donc vu mon train partir devant moi. Voilà, il devait partir à 54, je peux vous dire qu'il est parti à 54 pile. Mais bon, je ne peux rien dire puisque même si c'est affiché 53 à ma montre, pour une fois que le train part à l'heure, je n'ai pas à me plaindre. Donc voilà, donc here I am, dans une petite cabine SNCF sur une gare. Je vous laisse voir un peu le givre derrière qui montre, qui vous donne une idée de la température qu'il fait. Donc voilà, je vais attendre un autre train qui lui mettra une heure de plus à aller à ma destination. Donc je pense que c'est un peu loupé pour le côté cool, le côté zen. Mais bon, voilà, c'est aussi les déboires de la vie. Ça y est, les galères de train sont terminées. Flora nous a emmenés dans l'endroit où elle nous a invités ce week-end. Je vous laisse découvrir. C'est trop beau. Voilà la Tiny dans son intégralité. C'est trop 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 mignon. Alors voilà la Tiny House de l'extérieur. Vous entendez Flora? Je vais vous la montrer comme ça vous verrez sa tête. Tu l'as entendu? Ouais, du coup j'ai dit je vais vous la montrer comme ça vous verrez sa tête. Ah ouais. C'est l'heure de la présentation officielle. Salut, je m'appelle Flora, je suis vidéaste de mariage et spécialisée aussi dans le monde du culinaire parce que j'aime l'amour et j'aime manger. Donc en fait, il y a plusieurs tiny houses. Nous, c'est celle-là du coup. Et chaque tiny house est pensée par une personne différente. Et la nôtre, elle a été pensée par Samantha Bailey, qui est une autrice que vous connaissez peut-être. Et ici, ils font aussi, si j'ai bien compris, des retraites créatives. Et apparemment, ça se passe plus sous cette grande tente là, et aussi dans l'espèce de petite verrière qu'il y a derrière. Tentative de faire du feu numéro 1. Ouais. Je pense qu'il va falloir lui donner à manger un peu là. Bon, du coup, on s'est réparti les tâches avec Flora. Elle est en train de s'occuper du feu pour le premier soir. Et moi, je fais l'apéro. Voilà. La fille de Corse s'occupe de la chaleur. La fille du Nord s'occupe de l'apéro. Ce qui me semble plutôt logique. Alors en fait, on est venu dans cette tiny house puisque de base, et je vous l'avais dit, on devait aller au Pérou. Pour ceux qui suivent l'actualité internationale, vous voyez de quoi je parle. Donc du coup, on s'est fait un petit week-end en mode chill. C'est pas le Pérou, je vous le cache pas, c'est près d'Orléans, mais bon voilà.
On va se réchauffer avec un petit thé et on va quand même savourer ce week-end. Est-ce qu'il te satisfait cette fois le plan ou t'es obligé de le refaire? Ouais, je me demande si j'aurais pas dû m'arrêter sur le feu. Ah, ma vie, la vidéaste. Pourquoi, t'es remontée après? Je suis remontée sur la tiny. Bah, c'est pas. Montre ton plan. Le début est pas mal, je trouve ça joli. Ok. Un petit peu, ouais, c'est vrai que c'est loin. Ok. Et là, j'aurais dû m'arrêter là en fait. Non, c'est bien aussi, mais en fait, ce que t'aurais dû faire, c'est te baisser pour qu'on voit les deux. Hello, on est donc lundi. On est arrivé hier en fin d'après-midi à la Tiny House. Donc, on en a profité pour faire un petit feu, faire un premier petit apéro. Dehors sur la terrasse, il faisait relativement beau, donc franchement avec le feu et le plaid, ça allait carrément. Ce matin, on s'est motivé à aller courir dans la forêt juste à côté. Donc franchement, fiers de nous, puisque c'était pas forcément gagné quand on a senti la petite pluie qui venait nous glacer le visage, etc. Mais voilà, au moins on l'a fait. Et quand on est rentré, du coup, on s'est posé, on a pris notre petit déjeuner et on a passé un moment à faire des photos. Moi, je suis 2-3 rushs pour faire des reels. Clairement, le lieu est magnifique, donc j'avais envie de faire un peu d'images ici pour pouvoir vous les montrer un peu plus tard. Et voilà. Et comme c'est le métier de Flora de faire de la vidéo et qu'avant, elle faisait de la photo, t'en fais un petit peu moins maintenant, mais voilà. Donc, je lui ai servi de modèle. Donc voilà, donc j'espère que vous avez bien aimé l'endroit parce que vu les photos de Flora, elles sont trop belles, donc vous risquez d'en voir pas mal passer sur mes réseaux dans les prochaines semaines. Sinon, j'avais aussi pris Nous, filles de Sparte, pour venir passer le petit week-end ici. C'est un livre que j'avais reçu en novembre, je crois que je vous en avais parlé à ce moment-là. Voilà, je suis un peu dans un mood mythologie grecque en ce moment. Je pense que c'est lié à Madeline Miller, voilà, dont je vous ai déjà parlé des tonnes de fois, donc vous inquiétez pas, je vais pas insister dessus. Mais je venais de lire Galatée, donc je sais pas, j'avais envie de continuer un peu dans cette mythologie grecque. Du coup, c'est ce que j'ai démarré. Alors, Filles de Sparte, ça raconte l'histoire de Hélène, donc Baïenne qu'on connaît hein, de par son rôle, on va dire, dans la guerre de Troie, et de Clytemnestre, voilà, que je dis merveilleusement bien. Mais que nous appellerons K pour éviter que j'aie à redire ce nom. Et donc, elles sont sœurs. Ce sont les enfants du roi de Sparte. Et pour des raisons que je ne vais pas vous dévoiler comme ça, ça m'évite de vous spoiler. Hélène, qui est la plus jeune, devient héritière de Sparte. Donc, elle va rester à Sparte. En revanche, sa sœur, elle va devoir partir pour rejoindre son mari, qui est Agamemnon. Qu'elle aura épousé, enfin, qu'on lui aura désigné comme mari, hein, plus précisément. Vous doutez un peu de comment ça se passait dans la mythologie grecque. Donc voilà. Et on a suivi leur enfance, on a suivi ce moment-là. Quelques années après, c'est aussi Hélène qui va du coup être mariée. Il y a un tournoi qui est organisé. Et elle est finalement mariée à Ménélas, le frère d'Agamemnon. Et elle, ça la dérange pas trop, que ce soit lui. Parce qu'elle espère pouvoir revoir sa sœur, du coup, qui est partie de Sparte, qui a quitté Sparte et qu'elle n'a pas vue depuis. Donc voilà un peu. Alors, pour le moment, je l'ai bien démarré. C'est vrai que le début, ça parle essentiellement de leur jeunesse, en fait, à Sparte. On voit un petit peu tous les enjeux autour du fait que ce sont les filles du roi de Sparte. Donc forcément, ce ne sont pas n'importe qui, etc. Donc tout ça emballé. On voit aussi la relation qu'elles ont entre eux deux, comment est-ce qu'elles considèrent le mariage, comment est-ce qu'elles imaginent leur vie future, etc., etc. Donc ça occupe une bonne partie du livre. Et finalement, je trouve que la guerre de Troie arrive plus tard. Et c'est pas... Enfin, c'est une bonne partie du livre, mais il y a quand même, je pense, une moitié qui raconte ce qui se passait avant.
Maintenant, moi, ça m'a pas du tout dérangée. Enfin, moi, c'est quelque chose que j'ai même bien aimé. Donc voilà, je vais voir un peu comment ça se termine. Il me reste encore quelques pages à lire. Mais bon, en tout cas, ça m'a pas dérangée que la guerre de Troie arrive finalement assez tard dans le livre. Parce que ça permet de bien connaître les personnages. Et finalement, la guerre de Troie, bah, c'est qu'une partie de leur vie, en fait. Donc voilà. Je trouve que le livre se lit extrêmement vite. J'avais même pas compris, enfin, j'avais pas fait capter en fait que j'étais déjà arrivée aussi loin dans le livre. Là, il me doit me rester une cinquantaine de pages, donc franchement, ça se lit vraiment, mais un peu plus, 70. Donc franchement, ça se lit hyper vite. On se prend vraiment d'affection pour les personnages, enfin, on s'imagine assez facilement être à leur place, etc. Enfin voilà, franchement, c'est top. L'écriture est ultra fluide, enfin, il n'y a jamais besoin de revenir en arrière ou quoi que ce soit. Ça se lit vraiment ultra rapidement. Et c'est tout bête, mais du coup, le fait que ce soit un roman et que ça prenne un peu le temps de raconter ce qui se passe, le lien entre les personnages et tout, bah moi, ça y est, j'ai compris qui était qui par rapport à qui, etc. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on apprend à un moment donné et qu'on oublie par la suite parce que voilà, on ne le révise pas, entre guillemets. Et là, grâce à ce livre, je pense que voilà, ça y est, je le sais et je le saurai encore un moment. Donc ça, c'était aussi, aussi top. Et voilà. Et en fait, l'autrice, elle a un peu le même profil que Madeline Miller, justement, puisqu'elle est aussi diplômée en civilisation antique. Donc voilà. Donc on sait que ce qui est raconté... Alors, il y a des passages de fiction, bien évidemment, mais c'est quand même assez fidèle au mythe qui nous a été lui-même raconté avant, je pense. Donc voilà, donc ça c'est cool aussi. Donc pour le moment, une excellente lecture. Voilà, j'attends de terminer pour vous donner mon avis final, mais honnêtement, je vois pas comment la fin pourrait me décevoir. Quoique, ça peut arriver. On verra bien. Donc j'espère, je pense, le terminer là cet après-midi. Et comme ça, je vous referai peut-être une vidéo ce soir pour vous donner mon avis un peu final sur ce livre. Voilà! Je vous dis donc à tout à l'heure! Et qu'est-ce qu'on va faire en attendant? Ouais. On va regarder les rushs des vidéos et des photos qu'on a prises ce matin. Ouais, carrément. Allez, ça roule. On est chaud. Je suis avec une spécialiste, j'en profite. Bon, mais demain matin, il faudra se lever un petit peu tôt hein, pour faire encore quelques petites images avant de partir. Hein, hop, hop. Oh non, t'inquiète, c'est pas moi. J'ai eu peur. Salut. Alors, est-ce qu'on a à manger là-dedans? Alors oui, on va mettre là-bas parce qu'on a plus de lumière. Ok, ça marche. Alors, voilà. Nous avons du pain. Utile. Voilà, là je peux pas trop te le montrer, c'est du pain tranché. Donc nous avons du saucisson. Qui sera mangé. Qui sera mal mangé. Ah, nous avons du fromage. Qui sera mangé aussi. Et nous avons de la terrine. Après, on a ça qui est du pâté de foie de porc. Mmh. On va voir. Ah, les chips, elles sont super bonnes. C'est des chips qui sont faites dans le coin. Okay. Artisanal de Beauce. Ok, cool. Et puis des bières. Qui sont d'une brasserie locale aussi. Et on est le matin, mardi matin. Donc on va lentement se préparer à partir. Mais avant, je voulais juste faire quand même un petit point sur du coup, nous, filles de Sparte, que j'ai terminé. Donc comme je vous l'ai indiqué, en fait, finalement, ça traite assez peu vraiment de la guerre de Troie. Enfin, il y a beaucoup d'ellipses, par exemple. Finalement, c'est vraiment des points de leur vie personnelle qui sont abordés, en fait. On parle très peu des combats ou des choses comme ça. C'est vraiment, bah, qu'est-ce que la guerre de Troie va engendrer pour elle, comment elle se sente. Hélène, évidemment, qui se sent responsable. Clytemnestre qui bah, cherche à protéger ses enfants parce qu'elle se dit, bah mince, le roi n'est pas là. Donc comment, enfin voilà, comment ça va se passer? Si jamais il meurt au combat, est-ce que quelqu'un va essayer de tuer ses enfants pour pas qu'il y ait d'héritier et prendre sa place, etc. Donc voilà, ça parle vraiment de tout ça, plus que de la guerre en elle-même. Mais honnêtement, tant mieux, parce que moi, c'est pas des scènes de combat sanguinolentes qui m'intéressent. C'est plus cet aspect-là autour de la psychologie des personnages, autour de ce qu'elles ont pu ressentir ou non, qui va me plaire. Donc voilà, vraiment, ça me va très bien. Et c'est un livre au final que j'ai beaucoup aimé parce que justement ça reprend ces événements mythologiques là. Il y a d'ailleurs une postface de l'autrice qui est pas mal, je trouve, parce que elle dit que voilà, en fait, certes ce sont des récits mythologiques, mais qu'il y a quand même des preuves archéologiques qu'il y aurait eu par exemple une réelle bataille à Troie, que la ville aurait été réellement incendiée, etc.
Donc voilà, je trouve que c'est d'ailleurs pas mal du coup cette postface. Bref, j'ai l'impression de m'être perdue en vous parlant de cette postface avant de terminer mon avis vraiment sur les livres. Mais voilà, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé, que je pense je conseillerais. D'ailleurs, j'en ai parlé à ma sœur qui me l'a déjà demandé. Et tant mieux parce que je pense que c'est un livre qui peut carrément lui plaire. Je pense à une amie aussi qui peut être vraiment intéressée par ce livre. Je pense que vous aussi, vous le saurez si vous aimez justement les récits avec un ancrage un peu mythologique, mais où on va pas forcément lire ce qu'on a déjà lu, ou du moins ce qu'on a appris à l'école, ou ce qu'on nous a raconté. Où là, on va vraiment chercher à mieux connaître certains personnages. Donc ici, ce sont les deux sœurs. Et voilà, pour moi, je trouve que c'est vraiment ultra intéressant d'aller dans ce qui aurait pu être leurs pensées. Et c'est des pensées universelles, en fait, hein, finalement. Voilà, les deux, par exemple, sont mères. Elles ont des manières différentes d'être mères. Ça leur convient plus ou moins bien. Ça, c'est des débats qu'on retrouve bien évidemment encore aujourd'hui. Et c'est cette part d'universel-là qu'on retrouve dans les pensées du personnage, puisqu'on soit du 21e siècle ou de plusieurs siècles avant Jésus-Christ, peu importe en fait les humains, il y a toujours un côté universel en fait dans les histoires. Et c'est par ce côté universel, je trouve, qu'on arrive à rentrer dans l'histoire, qu'on arrive à s'y intéresser, qu'on arrive à éprouver des choses pour les personnages, etc. etc. Et ici, c'est très efficace. Donc voilà, donc vraiment une très très belle lecture pour moi. Je pense que c'est une des meilleures de l'année jusqu'à présent et je vous le conseille très vivement. Alors vous verrez, hein, c'est un style différent quand même de Circé et Le Chant d'Achille, qui sont deux livres avec de Madeline Miller, avec un peu voilà cette idée de raconter avec une en passant par la psychologie des personnages, etc., des faits mythiques. Mais si le style est différent, on est, je pense, dans une démarche assez commune en fait à ces histoires-là. Donc voilà. Vraiment, si vous avez aimé, n'hésitez pas. Je trouve que c'est des livres qui... Enfin, ce livre-là, je trouve qu'il se lit plus vite encore que Circé et Le Chant d'Achille. On est sur un vocabulaire peut-être un peu plus commun, un peu plus accessible. Et du coup, ça rend... Enfin, ça fait qu'on arrive à lire l'histoire encore plus rapidement, je trouve. Donc voilà, une très belle découverte. C'est un livre qui est sorti en novembre, hein, je vous l'avais dit. Donc je sais pas si vous êtes très nombreux à l'avoir lu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire parce que, bien évidemment, ça m'intéresse. Ensuite, j'avais pris un second livre qui est une anthologie de textes d'Ethel Adnan, ou Adnan, je ne sais pas comment on dit, publié chez Point il y a quelques temps déjà, je pense peut-être un an. Alors moi, c'est une autrice, une poétesse, une peintre également, que je ne connaissais pas du tout. Donc c'était un bon moyen pour moi de la découvrir. Alors, il y a des textes écrits en prose, hein, comme celui-là par exemple. Voilà, je vous en montre un peu au hasard, et d'autres écrits en vers. Et je vous avoue que moi qui lis pas forcément énormément de poésie, eh bien finalement j'ai préféré les textes en vers parce que vous voyez, ils sont beaucoup plus courts, je trouve qu'il y a... Enfin, ils sont plus accessibles pour moi en fait. Je peux même pas vraiment juger des textes en prose puisque j'en lis pas assez pour savoir ce qui me met à l'aise, ce qui me met pas à l'aise, ce qui me convient, ce qui me convient pas. Mais je sais qu'en tout cas, les passages en vers sont ceux qui m'ont le plus plu. Et voilà, comme je ne m'y connais pas trop en poésie, plutôt que vous en parler avec des termes approximatifs ou ne pas savoir vraiment comment faire, je vais vous lire deux poèmes que j'ai bien aimés. Et comme ça, vous allez voir si vous, ça pouvait, si ça peut vous correspondre. Alors le premier est vraiment très court, hein, c'est quasiment un haïku en fait. Ce qui fait que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mots. Donc voilà, je vous lis quand même. Personne n'est attendu en cette nuit d'obscurité. Premier poème, très doux, très simple, et je trouve que c'est... Ça rend compte de toute cette solitude, etc. Enfin voilà, ça fonctionne très bien. Et il y en avait un autre... Donc là, on est un peu au niveau du bourreau. Enfin, il y a différentes thématiques, hein, que ce soit au côté prose, au côté vers. Et il y a la mer, par exemple, il y a le brouillard, les choses comme ça. C'était lequel que j'ai bien aimé aussi. Il était juste après. Ah. Alors. La mort se meut comme un vent léger parmi des couches d'appréhension.
Voilà, donc pareil, un petit poème très très court. Je vais vous en lire un troisième parce que j'aime bien fonctionner par rythme tertiaire. Je trouve que c'est mieux. C'est totalement subjectif, je pense que ça vient de mes études. Je pense pas grave. Alors, quel troisième poème je vais vous lire Il y en avait un que j'aimais bien aussi, c'était lequel? Je sais plus si c'était celui-là ou si c'est dans la deuxième partie. Des poèmes en vers. Je vais vous en lire, ouais, peut-être un plus comme ça. Pourquoi les saisons qui régulièrement suivent l'heure convenue nous refusent-elles leur genre d'énergie? Ouais. Donc voilà un petit peu pour les poèmes que j'ai pu lire. Honnêtement, je pense que je redirai ceux en vers, mais pas forcément ceux en prose, puisque je suis plus sensible au premier. En revanche, c'était les deux seuls livres que j'avais pris. Et comme vous savez peut-être, il y a des grèves aujourd'hui contre la réforme des retraites, qui prévoit de passer l'âge de retraite à 64 ans. Donc voilà, il risque d'avoir des perturbations sur le train, sur le RER, etc. Donc je pense que, bien malgré moi, j'aurai à aller dans un petit relais, dans une librairie, dans une bouquinerie, peu importe ce que je vais trouver, pour acheter un livre, pour avoir un troisième livre pour finir le trajet, qui je pense du coup sera plus long que prévu. Donc, bon, si jamais c'est le cas, je n'hésiterai pas à vous le montrer et je finirai ce vlog à la maison. Voilà, je vous dis bah du coup peut-être à tout à l'heure. Ok, donc on est rentré, je viens d'affronter le RER. Ça a été, il y avait beaucoup de monde, il y avait beaucoup de manifestants en fait dedans. Donc j'étais un peu compressée, mais ça va mieux. Et là, mon but c'est d'aller à la bouquinerie vite fait, chercher un livre pour avoir de quoi lire dans le train du retour. Croyez-moi. Bon, bonne nouvelle, j'ai trouvé mon bonheur, j'ai même pris deux livres plutôt qu'un, mais bon voilà, vous me comprenez. Parce qu'il y avait un livre qui me tentait bien, que je connaissais pas trop avant, mais que. Enfin, j'avais entendu parler de l'autrice, mais j'avais encore rien lu d'elle, donc je me suis dit c'est l'occasion. Et l'autre livre, il m'avait tapé dans l'œil en librairie, et là le fait de le revoir, bah, ça a un peu confirmé mon envie de lire. Donc voilà, j'en ai pris deux, et là je trace pour la gare du Nord. Hello! Bon, vous reconnaissez sans doute le décor derrière moi et vous savez ce que ça signifie. Je suis bel et bien rentrée chez moi. Donc voilà, je vais faire une petite vidéo pour conclure un peu ce vlog, pour vous montrer mes achats également. Alors, j'ai pas su choisir, du coup j'ai acheté ce matin-là de Gaël Josse. J'avais déjà entendu son nom mais je pense pas avoir déjà lu un livre d'elle. Donc voilà, je m'étais dit que c'était l'occasion. C'est un petit livre voilà, de 200 pages en format poche que j'ai lu très rapidement puisque voilà, un trajet en train a suffi. C'est l'histoire de Clara en fait qui va vivre un burn-out et on va suivre ben, tout doucement comment est-ce qu'elle va guérir en fait de ce burn-out. Alors j'ai bien aimé, enfin je trouvais que le style était simple, moderne, voilà, on va pas tomber dans le pathos ou quoi que ce soit, c'est vraiment des petites choses, des petits détails qui vont nous faire comprendre ben, soit qu'elle est à bout, soit qu'elle commence doucement à remonter la pente. Donc voilà, une lecture, alors je dirais pas légère puisque le sujet ne l'est pas, mais une lecture en tout cas qui se fait rapidement, qui est simple, qui est efficace. J'ai également acheté un livre qui s'appelle L'Antre des Louves d'Elodie Harper. Alors lui, je l'avais vu en librairie il y a quelques temps je me suis dit qu'il avait l'air vraiment pas mal. Je l'avais pas acheté ce jour-là finalement. Et du coup, en le revoyant dans la bouquinerie, je me suis dit que c'était un signe qu'il fallait que je le prenne. Et j'ai écouté ce signe et je l'ai pris.
C'est un livre assez récent, hein. Enfin, je pense qu'il va dater de l'année dernière, pas plus. On est toujours dans la mythologie antique, voilà. Il faut croire qu'après nous, filles de Sparte, j'avais envie de poursuivre cette thématique. Alors ici, on se trouve à Pompéi en l'an 74, avant notre ère. Et en fait, ça raconte l'histoire d'une jeune grecque instruite qui est devenue une esclave. Donc ça raconte un peu sa vie et celle de ses compatriotes, si je puis dire. Ses compagnes de galère. Voilà. Alors elle devient prostituée. Voilà. Elle va apprendre à utiliser et contourner les codes de ce monde impitoyable afin de regagner sa liberté. Alors là, on est sur un livre beaucoup plus gros puisqu'on est sur un livre de quasiment 500 pages en grand format. Je vous laisse comparer. Mais bon, je pense que ça va pas trop me déranger. Enfin, j'aime bien la mythologie, tout ça, enfin, l'histoire un peu antique, etc. Donc je pense que ça va me plaire aussi. Je vous en parlerai donc dans une prochaine vidéo ou alors sur Instagram. Je ne sais pas encore si je vais faire un nouveau vlog ou si je vais reprendre les vidéos, une vidéo par livre. Je vais bien voir. En tout cas, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner parce que voilà, c'est une vidéo que j'ai vraiment eu plaisir à tourner, que j'ai vraiment envie de soigner. J'espère vraiment, vraiment, vraiment qu'elle va vous plaire. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire, à laisser un petit commentaire, etc., etc. Je vous dis merci en tout cas de l'avoir regardé jusqu'au bout et à très bientôt.